Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va pour vous, que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. Et bah, aujourd'hui, on va tout simplement reprendre Persona 3, on va continuer d'avancer, hein. On est bien, on avance super bien, donc on va continuer comme ça et on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, je passe sur le bon écran, le jeu va apparaître dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Normalement, je vérifie avant de lancer quoi que ce soit. Voilà. Donc, on venait de sortir de la, bah, de la pleine lune, hein, tout simplement, voilà. De la cinquième, sixième, je sais déjà plus. Je ne sais déjà plus, c'est magnifique. Et, bah voilà. Donc, on va continuer avec nos liens sociaux. Pour l'instant, tout va bien. On va aller en ville. Alors, on est dimanche, donc le dimanche, on va aller voir notre copain qui malheureusement est malade. Hein. Voilà, Akinari. Oh, c'est toi. Je t'en prie, c'est toi. Oui. Ce banc sera notre lieu de rencontre. Coucou Néo. Ça va mieux aujourd'hui. Je sais que je devais faire peur avoir l'autre jour. J'avais lu un livre avant que l'on ne se voit ce jour-là. J'étais tellement absorbée que j'en ai oublié de fermer la fenêtre et je ne me suis pas rendu compte du froid. Oui, je sais bien qu'on est lundi, mais dans le jeu, on est dimanche. Tu lis beaucoup? J'adore lire, mais j'ai pas le temps. En fait, j'adore la lecture, mais j'ai plus le temps de lire. C'est ça qui est dingue. Je vois. Nous avons donc quelque chose en commun. Ça va, et toi? Moi, ça va bien. Je lis beaucoup ces derniers temps. C'est la meilleure façon de passer le temps à mes yeux. Car ça me permet de m'évader dans des mondes imaginaires. Est-ce que tu finis les livres que tu commences? Ben oui. Oh, je vois. Je n'aime pas les finir pour ma part. Je me plonge dans l'histoire et j'arrive vite à la fin, mais je ne peux pas me résoudre à le terminer. Parfois, parce que si je finis l'histoire, je serai à nouveau là, coincée.
seule dans ma chambre. Je redeviendrai Akinari, celui au destin inévitable. Oh non! Les histoires d'espoir et d'héroïsme, c'est le genre d'histoire que je lis. Comme ça, j'espère, si j'en finis une un jour, que je me sentirai heureux en reprenant ma vie. Oh non! Oh, c'est trop triste! Ah, c'est trop triste! Oh là là! En même temps, son lien à lui, il est trop triste. Le temps est impitoyable. Le soleil semble près de se coucher. J'espère que nous nous reverrons. Non! Enfin si, mais... Ah. Alors par contre, j'ai pas été voir... J'ai pas été voir Théodore, parce que Théodore, il doit normalement avoir des requêtes pour moi. Alors... On va juste mettre lui. Mais allez! Et Gurulu, mais pas Takemitama. Qu'est-ce que j'ai comme quête? J'aimerais te faire écouter une chanson associée à ton lycée. Il faut que je trouve. C'est sûrement. Il faut sûrement trouver ça au lycée, mais je sais pas où. Peut-être. Il faut que je me... Ah, j'ai peut-être une idée. Trouve de l'huile, trouve un couteau à fruits. Donc le 1 du 10 et le 17 du 9. Ok, on va les prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trouve un Mikazuki Muneshika. Ça c'est dans le Tartarus, ok. Ça c'est dans le Tartarus. Ça c'est une persona. Ok. On va prendre ces deux-ci pour l'instant. Voilà. Et pour ce soir, on va passer du temps avec le Dogo. J'ai toujours un personnage de la force, hein, je vais quand même vérifier. Ah non, j'en ai pas. Ah, attendez. Demi-tour. Demi-tour. J'ai une place dans ma tête. Il y a Titan là. Allez hop. Hop. Alors c'est vrai que moi en off j'ai eu une erreur de fusion. Et par contre c'est vrai que avec vous en stream c'est pas encore arrivé l'erreur de fusion. Des rebats de frappe, des rebats de... Voilà, des rebats de taillade, j'ai envie de dire. On va enlever ça. Ok. Pardon. Allez, le Dogo! On a quel lien social avec lui au cas où? La force, 8, ok. Tu veux surtout monter la luck que t'as? Évidemment! Bien sûr, je veux toujours monter la luck que j'ai. Ken peut vous accompagner. Bon, on y va alors. Maro va si vite, je suis jaloux. En même temps, il a quatre pattes lui. Ça a été aujourd'hui? Tout le monde a l'air à cran. Personne ne veut m'expliquer. C'est si dur de me faire confiance. Je suis si immature. Je dois plus travailler. Mec, t'as 10 ans. Faut parler doucement avec Ken. Koromaru sans avoir fini de jouer. Ah, et voilà Koromaru. Arrête de creuser. Achou! On essaie de rentrer dans ton avec Koromaru.
Quoi, on laisse Ken derrière nous? Ah, je suis malade. Salut! Ça m'étonnerait que Chidori nous dise quoi que ce soit. Junpei s'inquiète vraiment pour elle. Qu'est-ce qui a pu se passer? Bah, c'est Junpei. Ouais, t'as raison. Quand même, ça m'inquiète un peu. Ok. Alors attendez, parce que. Il y a vraiment un truc. Salle de l'assistant. Ah, voilà! Une musique étrange émane de l'intérieur. Quoi? Keikugan Boogie? Pourquoi l'école a-t-elle une musique comme ça? Sûrement la chanson d'un prof, c'est un truc du genre. C'est dingue! Voilà, bah voilà, c'était juste là. Désolée, il faut une permission pour pouvoir. Cette musique? J'ignorais à quoi elle sert, mais ça dit Keikugan Boogie dessus. Hein? Tu la veux vraiment? Bien sûr, tu peux la voir, tiens, on n'en a pas besoin. Allez, va-t'en maintenant avant de m'attirer des ennuis. Ben voilà. Je l'ai trouvé. Ok, je l'ai trouvé. J'avais bien que je finirais par mettre la main dessus. Je vois que tu as un CD avec toi, Keikugan Boogie. Keku signifie clair de lune et un boogie, c'est un style de danse rapide. Je comprends. Alors, ce Keikugan Boogie, c'est la musique que tu écoutes pendant une fête en extérieur lors de la pleine lune, c'est ça? Ouais, et on fait même un sacrifice démoniaque des enfers. Ça doit être un type de soirée intéressant. Ah, les paroles sont à l'intérieur. Et soudain surgit face au vent le vrai poète de tous les temps. Zoro est arrivé! Pardon. Je ne vois pas trop quel est le rapport avec la lune. Quoi qu'il en soit, ta récompense ne doit pas être inconnue. Alors j'ai dit Zoro, mais ça marche aussi avec Goldorak, Il arrive du fond du temps. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. Pardon, j'arrête. Ne me demande pas où j'ai trouvé ça. Tenue artiste orange. Je peux faire quelque chose pour toi. C'est quoi tenue artiste orange exactement? C'est pour moi ou... Ah oui, c'est pour moi. Des habits d'été pour le personnage féminin. Ah! C'est mon maillot de bain! Je crois. On le testera quand on ira dans le Tartarus, mais je crois que ça doit être le maillot de bain. Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ah bah je vais retourner voir. Ah non, attendez, l'empereur. Est-ce que j'ai une persona de l'empereur? Je pense que oui. Oui, j'ai Oberon, donc ça va. On retourne en ville. Tac. Non, c'est pas là. C'est là. Ah, par contre, je voulais vérifier un truc. Le lien de l'empereur, on est au rang 6. Donc, normalement, ça devrait être bon. J'espère. Vous avez travaillé avec les membres du conseil des élèves. Idoshi a fait un rapport à la réunion. L'autre jour, je parlais du mégot dans la toilette des garçons. Les professeurs veulent que le coupable soit renvoyé dès qu'on connaîtra son identité. Putain, tout ça pour un mégot, quoi. La salle du conseil des élèves devient bruyante. Après la réunion, tout le monde est parti en se jetant des regards nerveux. Renvoyer le coupable, hein. Idoshi semble épuisé. Alors qu'en penses-tu, Minako? Je parle de la punition du fumeur. On n'avait pas déjà vu ce... C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a déjà vu cette discussion. C'est une punition sévère. Je pense aussi. Dès que j'aurai attrapé le coupable, je lui donnerai une bonne leçon. Le but est qu'il ne recommence plus. Je voudrais pouvoir faire en sorte que les gens comme lui changent leur habitude. Je ne plains pas les élèves qui ne respectent pas les règles, mais... Rendra-t-on le lycée meilleur en envoyant les mauvais éléments? Ça ne me ressemble pas de me plaindre. Je suis certainement confus car je me sens impuissant. J'aurai plus de pouvoir si j'écoute le professeur et gagne sa confiance. Ensuite, les gens devront m'écouter. Je vais travailler dur pour arriver au sommet. Tu verras, Minako. Ok. J'ai quand même l'impression d'avoir déjà lu ce lien social, mais bon. La nuit tombe. J'ai du travail. Je vais écrire une liste des suspects.
Tu devrais rentrer. Évite de passer par des routes peu éclairées. Qui sait ce que tu pourrais y trouver. Ok. Vous avez décidé de rentrer au dortoir. Salut, comment était ta journée? Nos sympas sont à l'hôpital et nous reviendrons un peu plus tard. Cette fille Chidori ne semble pas vouloir parler. On devrait attendre que les choses se calment avant d'aller à à Tartarus. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Une barrière se dresse entre Shinshiro et vous. En tant que chef, vous devriez être plus gentil avec lui. Bah c'est lui qui me crache à la gueule! Quoi, tu veux manger avec moi? D'accord. T'attends pas à un resto huppé par contre. Bon, on ira manger des nouilles, t'inquiète. La preuve! Oh, la musique. Eh, c'est notre premier rendez-vous, hein, oh, du calme la musique, hein. Vous avez suivi Shinshiro jusqu'ici. Ce type est un gros. Coucou Kuma! Je vais t'avoir amené ici. Je connais pas trop d'endroits où manger. J'aime bien cet endroit. T'es bizarre, toi. Shinshiro a un petit rire. Allez, mangeons. Attention, la soupe est brûlante. Aïe! Ouch! Ouch! J'ai une coupure dans la bouche. Haki m'a mis un coup de poing. Ah, il doit apprendre à quel point un champion de boxe cogne fort. Vous battiez? Ben ouais. Shinjiro semble un peu gêné. Je vais bien et toi, Kuma, comment vas-tu? Je lui ai donné une petite leçon sur son style de combat trop imprudent. Et voilà ce que j'ai récolté en retour. Bah, on se bat tout le temps, c'est une habitude. D'accord. Ouais. Shinjiro semble un peu mal à l'aise et rit. Ah mais t'es plus jeune que lui, non? On a la chance d'avoir une chef aussi fiable. Le ton de Shinjiro peut vous sembler moqueur, mais vous sentez qu'il est sérieux. Vous pensez un peu mieux comprendre Shinjiro à présent. Un peu fatigué? Bon, ça va aller. Et un nouveau lien social! Hein? La lune! La prochaine fois, préviens-nous quand tu te bats, on ouvrira les paris. J'avoue! J'avoue! Ouch! Hey, j'ai eu la même coupure la première fois qu'il m'a mis un coup de poing. Et j'ai pas pu manger un bout de temps à cause de ça. Pourquoi il t'a mis un coup de poing? Je sais plus, on était enfant. Oh! Ah, j'y arriverai pas. Je vais attendre que ça refroidisse. Vous allez manger avec Shinshiro avant de rentrer au dortoir. Il y a une boîte dans votre chambre. Ah oui. Midi. Bon, ça, on passe. Maintenant, j'imagine le casque de Persona 3 en train de danser comme des teubés sur Shinshiro en train de souffrir sa mère et ça me fait plaisir. Mais dis! Moi, j'aime bien Shinshiro! En plus, tu devais imaginer le casque de Persona 3 en train de danser, t'as qu'à jouer à Persona 3 Dancing. Entre-temps, chambre de Shidori, Tatsumi Memorial Hospital. Mitsuru, Akihiko et Fuuka sont autour du lit de Shidori. Tu penses à quelque chose, Yamakichi? Non. Ouais, je sais, je l'ai aussi. Tout comme j'ai le Persona 5 Dancing. C'est une honte. Autant le Persona 4 Dancing, il est intéressant parce qu'il a une véritable histoire. Mais le Persona 3 et le Persona 5 Dancing, c'est totalement une honte. En refusant de nous parler, tu te fais du mal. On ne te garde pas ici par plaisir. C'est seulement pour éviter une confrontation inutile. Comment va Chidori? Encore, c'est une façon que je me paye. Elle a dit quelque chose? Pas un mot. Je peux lui parler? Iori, j'ai l'impression que tu te laisses emporter par tes émotions. Bon, il a peut-être plus de chance que vous de la faire parler techniquement. Hein. Tout va bien? Bah, pas vraiment. Elle m'a attaqué, je sais, mais j'arrête pas de penser à elle. Je me paye! Ah, la situation désespérée, mesure désespérée, je dirais. C'est bon, tu peux aller lui parler. Par contre, je suis content d'avoir été un pigeon sur Persona 4 Arena Ultima. Alors, le seul Persona 4 que j'ai. Le seul Persona Arena que j'ai fait, c'est le 4. Le Persona 4 Arena premier du nom. Et moi, ça a été une déception. Maintenant, j'ai pas essayé le Ultimax, donc je sais pas. Mais le premier Persona 4 Arena, ça a été une déception pour moi. Ok.
Ça va? Je suis content qu'il t'ait laissé ton carnet. Tu dessines même à l'hôpital, hein? Tu aimes vraiment dessiner. Ça n'a pas d'importance. Elle a parlé? Personne d'autre que moi ne peut comprendre mes dessins. Chidori, ton bras. Le bandage autour du poignet de Chidori est imbibé de sang. Encore? Fuka, appelle un médecin. Et tout de suite. Pourquoi tu saignes? Elle se fait ça elle-même. Ah, je pensais pourtant avoir enlevé tes objets coupants. Elle se fait ça elle-même. Visiblement, on ne peut pas la laisser seule même une minute. Mais heureusement, elle guérit à un rythme incroyable. Laissez-moi. Alors à la gare, tu t'es fait ça toute seule? Je ne t'ai jamais demandé d'aide. Tu as tout compris de travers. Je veux que tu arrêtes. Tu peux pas continuer. C'est pas normal. Je t'en empêcherai. Le médecin va arriver, vous devriez y aller. Ouais. Chidori regarde Jumpair partir. Bien, tu as l'air d'avoir retrouvé la parole. Non. En tant que fan, j'aime bien, mais en tant que fan de jeux de combat, je trouve que c'est pas assez over the top. Je préfère nettement un jeu... Oui, en fait, c'est ça. En tant que fan de Persona, ça peut être cool, mais c'est un mauvais jeu de combat. Enfin, encore une fois, pour le Ultimax, je sais pas. J'ai joué qu'au Persona 4 Arena, donc premier du nom. Mais oui, non, clairement, pour un jeu de combat, c'est un mauvais jeu de combat, moi, je trouve. Alors, on doit aller voir l'ermite. Est-ce que je suis bien au bon level pour l'ermite? Ouais, c'est bien ça. Est-ce que j'ai un persona? Ouais, j'en ai un. Ok. Donc l'ermite, c'est Saori. Zekekuken Bibliothèque. Vous effectuez vos tâches en tant que membre du comité de bibliothèque. Minako, pourrais-tu aller me chercher un livre sur l'étagère A3? Vous entendez une annonce. Veuillez pardonner cette interruption. Saori Azegawa de la 2C et Minako Arisato de la 2F. Rendez-vous immédiatement en salle de professeur. Je répète. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous appelle? Bah, allons-y. Oui, voyons ce qui se passe. Cela me surprend que tu oses venir ici sans avoir honte, Azegawa. Qu'est-ce que ça signifie? Alors toi, vu comment t'as géré le cas Fuuka, ta gueule? Voilà déjà, de un. Monsieur Okoda jette un magazine sur son bureau. Un grotté t'attire à votre attention. L'insidieuse corruption des jeunes de notre nation. Sexualité débridée au lycée G. Et la version des faits de la lycéenne, tu la demandes ou non? C'est ta photo, n'est-ce pas? Une photo accompagne cet article. Une barre noire couvre ses yeux, mais on dirait bien Saori. Son nom a été changé en Shiori Naganaki. Je ne vais pas entrer dans les détails scandaleux de cet article. Un imbécile de journaliste a dû te parler. Vous survolez rapidement l'article que M. Ekoda a jeté sur son bureau. Cette Shiori Nagatani semble parler ouvertement des activités nocturnes auxquelles s'adonnent les filles. Je n'ai jamais... Une autre élève du lycée m'a montré cet article en me disant « La réputation de mon lycée est fichue maintenant. » Elle t'a aussi mentionné, je cite... Ah, alors il manque un N à mentionner au passage. « Azegawa a guiché ses élèves masculins en faisant preuve d'un comportement vulgaire dans notre dos. » Ah, ok, d'accord, on voit c'est laquelle. « Et elle n'interagit jamais avec nous parce qu'elle se croit supérieure au reste des élèves. » Bref, tu as très mauvaise réputation. Cela ne me surprend guère que tu te sois abaissé à ça. Tes activités nocturnes ne concernent que toi, mais tu ne peux pas causer du tort à ton lycée comme ça. Non mais mec! Sérieux! Tu n'es pas la seule impliquée. Cela touche aussi tes tuteurs et les gens qui t'entourent. Bref, j'ai décidé de te suspendre au vu de la situation. Est-ce que tu comprends? Pourquoi on m'a appelé moi au fait au passage? C'est parce que tu sembles proche de Azegawa. Pour cette fois, ce n'est qu'un avertissement. Attends. J'ai un avertissement parce que je suis amie avec elle? Non mais t'es sérieux? Tu lui demandes même pas sa version des faits déjà, tu la juges sans qu'elle puisse se défendre. Et moi je prends un avertissement pour rien? Sérieux?
quand j'aurai les preuves en main, je te punirai toi aussi. Prépare-toi bien à ça. Donc en fait, tu nous punis. Déjà, tu nous punis sans aucune preuve, déjà en plus. Tes parents nous avaient dit de nous méfier de toi. Maintenant, je sais pourquoi. Tes parents sont si merveilleux, Azegawa. Pourquoi leur affiches-tu ça? Attendez, même les parents d'Azegawa, ils lui disent de se méfier d'elle? Ben, c'est charmant, c'est super les parents. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous quittez ensemble la salle des professeurs et décidez de rentrer. Je suis désolée, Minako. Si tu restes à mes côtés, ta réputation risque d'en pâtir. Bon, t'en fais pas. Merci. Ce sont des mensonges. Je n'ai jamais rien dit. Mais j'ai bien laissé un photographe me prendre en photo. C'était soi-disant pour un article sur les vies bien cadrées de certains élèves du lycée de nos jours. Il voulait une photo de moi en uniforme. 4000 yens pour ce désastre. Tu n'as rien vu venir? Non, ça m'a pas dû traverser l'esprit. Une fille de ma classe m'a demandé si un job facile m'intéressait. J'étais pas vraiment enthousiaste, mais bon, peut-être que je voulais l'aider. Non, mais t'es aussi une bonne poire en fait, hein. T'es gentille, ça aurait été un peu une bonne poire. Hein. Peut-être que je voulais une amie. Je suis vraiment la plus vieille. Quand j'étais plus jeune, tout le monde disait que j'étais la plus mûre et que je n'aurais pas d'amis jeunes. Mais les adultes étaient sympas et me respectaient. Mais tout n'était que mensonge. Tout comme quand ils disaient des choses comme je t'aime. Oh non. Je me suis comportée comme le souhaitaient les adultes. Je n'avais qu'à sourire et ne rien dire. Ils me trouvaient mignonne et étaient contents tant que j'agissais ainsi. C'est trop tard maintenant. Je ne sais plus comment m'affirmer. J'ai trop peur. Minako. Oh. On dirait littéralement le proverbe trop bonne, trop conne. Exactement, c'est vraiment ça en fait. C'est trop beau, trop con. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il est totalement véridique ce proverbe. Je suis désolée de t'avoir mêlé à tout ça. Je sais que ce n'est pas approprié, mais une partie de moi est ravie que tout soit à mes côtés. Je ne pouvais sûrement pas endurer ça toute seule. Bon. Salutations. Ouais, salutations. Attendez. Ok. Ok. Ben, pourquoi pas. Est-ce que j'ai un perso? Quoi, non, il en faut pas. Ah, c'est toi, blablabla. J'ai décidé de faire un don. Elle récolte de l'argent pour aider des orphelins à l'étranger. Je ne vois pas ça comme un don, mais comme un investissement. Laisse-moi t'expliquer. Les enfants qui apprennent à se tirer des pires situations ont plus de chances de devenir riches comme moi. Je pense à donner de 10 millions de yens, mais de ma poche, hein, pas celle de l'entreprise. Quand je leur ai dit ça au téléphone, ils m'ont envoyé ça. Le président de Tanaka vous tend une lettre de remerciement. Je l'ai reçue le lendemain, donc je ne peux plus reculer. 10 millions de yens, c'est rien, ça dit. Non, c'est rien! Demain, je fais un don d'un million d'euros, pardon? Une fois que ces enfants auront grandi et réussi dans la vie, je me présenterai à eux. Je leur dirai, c'est grâce à moi que vous avez réussi. Et ils s'occuperont de moi quand je serai vieux. Non mais là, tu rêves par contre. Hein. Je n'aurais sûrement jamais eu une idée pareille sans toutes ces deux discussions. Mais à force de parler avec toi, voir les autres mûrir a commencé à m'intéresser. Je t'en remercie. En fait, non. Je devrais me remercier d'avoir eu la sagesse de remarquer ça. Malgré sa vanité, vous sentez que le président Tanaka vous estime vraiment. Vous pensez le comprendre parfaitement maintenant. Non. 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 C'est un sale con. Enfin, si, c'est un sale con. C'est totalement un sale con. Allez, hop, ça s'est fait. Belzébuth! Je peux fusionner Belzébuth! Le lien social du diable a atteint son niveau maximal. Vous pouvez créer Belzébuth, le seigneur de l'enfer. Alors, c'est Hadès, seigneur de l'enfer, mais bon. Tu peux lire cette lettre. J'ai sué sang et eau pour gagner cet argent, et tout ce que j'ai en retour, c'est un bout de papier. Mais bon, ça me dérange pas. Bon, j'y vais. Les paparazzis pourraient être n'importe où.
Si l'un d'entre eux découvrait tout, mon plan serait foutu. Ah, au fait, j'ai décidé d'abandonner ma proposition de mannequinat exclusive dont on a parlé. Tu es bien mieux en tant que diamant à l'état brut. Personne n'a besoin de te polir. Tu brilleras à ta façon. Et quand ça arrivera, tout le monde le verra. J'ai hâte d'y assister. À la voyure, petite. Au revoir. Bon. Hé, Minako. Désolée d'avoir été là. Mais tu sais, je peux pas la laisser seule. Demande pas pourquoi. Ouais, merci. Midi! Alors... Ah, ok. Je veux une boisson au nom de ma sœur. Une boisson de ton monde porte le même nom que ma sœur. J'aimerais la goûter. Ah, Elisabeth ? Ah, ça doit sûrement être... On doit sûrement obtenir cette boisson au bar. Pas au café du soir. Ouais, au bar. Pas au... Je vais y arriver. Salle d'aménager. La couture est ma passion. Comme je ne suis pas très riche, je peux uniquement acheter des tissus bon marché, mais je travaillerai dur pour confectionner le plus beau des kimonos et sauver mon avenir. Dandy travaille dur. Vous allez continuer votre écharpe pendant que vous vous encouragez mutuellement. Tu as presque fini l'écharpe. Tanoshimi, j'ai hâte de voir le résultat final. Mais moi aussi, je travaille dur pour finir mon kimono. Jusqu'ici, tout se passe comme sur des roulettes, n'est-ce pas vrai? Quand mon oncle le verra, il comprendra que le Nihon est génial. J'y crois dur comme fer, alors je vais tout donner. Grâce à toi, j'ai bien avancé, Minako. Arigato, merci. Oh, Dandy, il est trop chou! Ah, j'ai mal au bras. Sûrement à cause du mal que je me donne. Je finirai ce kimono envers et contre tout. Yosh! Je ne peux pas abandonner. Ça fait combien de temps qu'on retient Chidori? 4 jours? Ah ouais. On va aller voir si... si je peux avoir la boisson. Ou si c'est pas là, je vois pas où c'est. Ah, c'est toi. Le moine n'est pas là aujourd'hui. Il vient rarement les lundis, mardis et mercredis. Il doit avoir du boulot ou être en méditation. Donc c'est pas là. Ouais. Si on ne se réveille pas avant de toucher le sol, on meurt apparemment. Ah oui, ouais, ça il paraît, ouais. Donc c'est pas ici qu'on a la boisson. Ah, donc qu'est-ce qu'il dit? Comment tu te sens dans mes chaussures? Elle m'a donné pas de chaussures? Ah merde, j'ai pas lu ce qu'elle a raconté. Apparemment, elle m'a donné une paire de chaussures. Ah oui, elle m'a donné des ballerines légères. D'accord. Ok, je prends. Peut-être ici. Ah non, c'est une boutique de soins, c'est pas ça non plus. Alors par contre, j'avoue que je ne sais pas où peut être. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut avoir cette boisson alors. Que je me renseigne. Ah non, ça va, j'ai Yamato, donc ça va. Hop. Ok. Bon, ça me dérange pas.
semble cacher sa joie. Shinshiro n'avait pas de préférence pour manger, alors vous l'avez amené ici. Tu manges si souvent? Moi, j'aime bien. Je vois. À qui devrait manger ici plus souvent? Ses apports nutritionnels sont vraiment pas équilibrés. Au fait, à propos d'Aki, tu trouves qu'il se bat bien? Oui, absolument. Je vois, ok. Après tout, tu t'y connais bien mieux en combat que moi. Je te laisse juger. Désolé, je sais que c'est toi la chef, je fous mon nez partout. C'est pas que je veuille te contredire, mais je suis comme ça. Maintenant qu'Aki et Mitsuru ont l'air plus à l'aise au combat que quand j'étais là, avant on tâtonnait. Mais tes pouvoirs ont l'air d'être d'une grande aide. Ne te surmène pas. Tu vas devoir affronter beaucoup de choses bientôt. D'accord. Mangeons, ça va refroidir. Est-ce que les autres mangent aussi équilibré? Oh, il est mignon, il s'inquiète. Il s'inquiète de savoir si on mange bien, c'est trop chou. La culture japonaise a une place importante à table. L'usage veut qu'on dise une phrase spécifique avant et après avoir mangé. Quelle est cette phrase? J'aime pas, je suis sûre que tu le sais. Hein? Moi? Minako, je suis perdue, c'est quoi la question? C'est itadakimasu. Ah! Bon, bah tant pis. Exact, il faut dire... Ah oui, non, mais itadakimasu, c'est bon appétit. Je suis trop con. Je suis con, itadakimasu, c'est bon appétit. C'est pas grave. Sauf que j'ai le max en charme, donc c'est pas grave. Exact, il faut dire Goshisu-sama pour montrer sa reconnaissance. C'est un peu comme une prière avant de manger. La dernière fois, mon chéri. Je m'en rappellerai. Je m'en rappellerai, Minako. C'est pas grave, on a quand même le max en charme, donc c'est pas trop grave en fait. Entre temps, chambre de Shidori Tatsumi Memorial Hospital. Mitsuru, Akiko et Junpei sont là. Yop, Shidorita. Appelle pas comme ça. Allez, souris un peu. Je t'ai apporté un autre carnet. J'ai pensé que le tien serait bientôt plein. Tu n'étais pas obligé, Junpei. T'as dit mon nom. J'avais peur que tu ne le dises plus jamais. Ah. Alors, du nouveau. Shinshiro est entrée dans la pièce. Elle s'est enfin mise à parler. Mais rien d'utile pour l'instant. Ben, c'est un début. Et pourquoi t'es là? Shidori, qu'est-ce qui se passe? Shidori se tient à la gorge de douleur. Ça y est, ça commence. On dirait qu'il y a quelque chose ici. C'est un ennemi? Non, pousse-toi. Shidori a foncé sur Shidori pour lui faire avaler des médicaments. Shidori, du calme. Cette personne s'est emportée, ça arrive. Ça arrive? Vous avez rien vu? Pendant une seconde, j'ai perçu sa persona, en train de l'étrangler. Au contraire de nous, ils ne contrôlent pas pleinement leur personae. C'est pour ça qu'ils doivent prendre des inhibiteurs, pour empêcher leur personae de les tuer. Des inhibiteurs? Tu connais Strega? Tu serais étonné de voir ce que la rue t'apprend. Je donnerai les bons médocs aux médecins. Après, c'est toi qui vois. Shinji, attends! Tu me payes. J'ai cru que... Pourquoi t'as l'air aussi effrayé? Il n'y a pas à avoir peur de la mort. Qu'est-ce que tu dis? Mourir, c'est ne plus se réveiller, c'est tout. Quoi? Dis-moi que tu ne le penses pas. Je me paye. Je ne veux pas que tu meurs, Shidori. Je me paye. C'est pas parce que t'as pas peur que les autres l'ont non plus. Tu t'es déjà demandé ce que je pouvais ressentir? C'est tellement bizarre, Junpei. Tu peux parler. Attends, Shinji. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'avais ces pilules? J'en ai entendu parler. Si un utilisateur ne peut la contrôler, elle inhibe sa persona. Mais les effets secondaires... T'en prends pas, j'espère. Réponds! Je te dois rien. T'as pas changé. Arrête, je connais la chanson. Tu crois que je gâche mon pouvoir, mais t'es juste trop borné. Ras-le-bol de leçons de morale. Baston!
Tu comprends pas? Tu sais ce que j'en pense. Il y a 10 ans, ma sœur, l'incendie. J'ai pas été assez fort pour la sauver. Ils m'ont retenu pendant quelques... Du coup, je me donne à fond. On se l'est promis, tu te souviens, d'être assez fort pour faire ce qu'on pense juste. Alors pourquoi tu les prends? Pourquoi t'es pas venu m'en parler? Je suis revenu combattre. Alors oublie ça. Et les effets secondaires? J'ai une chose à régler. Que je dois faire seule. Qu'est-ce que c'est? T'en fais pas pour moi. Fais ce que tu penses être juste. Shinji! Bon. Est-ce que j'ai un personnage de la papesse? Non. Eh ben, décidément. Zut. J'essaye de réfléchir où est-ce qu'on obtient la... Attendez, je vais regarder un truc vite fait. C'est laquelle? C'est la quête 28. Attendez, je vais regarder vite fait. C'est request. Non? Attendez, comment est-ce que... Ah ok, c'est comme ça qu'ils le mettent. Ah ok, d'accord. Ok, attendez, il faut aller... En fait, pour avoir la fameuse boisson, il faut aller à... Oh zut. Zut. Ah purée. Voilà. Il faut aller en ville. Il faut aller à Port Island. Et il faut demander... Attendez. Ah, c'est là, d'accord. Ok, c'est là. Vous entendez des voix provenant du sous-sol. Ah, pas mal. Je suis sûre que ça va plaire. Désolée, nous ne sommes pas encore ouverts. Ah mais tu serais pas encore au lycée? T'as rien à faire ici. T'as l'air d'avoir pas mal d'expérience. Toi, Vapik, tu veux bien tester ce nouveau cocktail de mon invention? T'inquiète pas, il n'y a pas d'alcool dedans. C'est une recette maison. J'aimerais élargir notre clientèle. Santé! Vous avez bu le cocktail. C'est un mélange de douceur et d'acidité parfaitement équilibré au goût rafraîchissant. Alors t'en penses quoi? C'est bon, non? Délicieux. Pas vrai? Je savais que ça te plairait. Écoute, je vais t'en donner une bouteille, c'est un cadeau. Je vais rentrer dormir un peu, reviens à ta majorité et je te laisserai goûter la bonne came. Voilà, on obtient la reine Elisabeth. Voilà. Oh le chat! Oh il est gros le chat! Ce chat affaibli a mangé toute la nourriture et a repris son énergie. Il semble aussi avoir grossi. Apparemment, vous n'avez plus besoin de le nourrir. Oh le gros chat! Le Kitty! C'est le gros Kitty! Allez hop. Alors attendez, tac, il faut que je revienne là où j'en étais. Donc bah ça va juste ici. Alors hop. Alors voici la boisson qui porte le nom de ma sœur, la reine Elisabeth. Il est bien écrit Elisabeth, je ne peux pas le nier. Mais quand je soulève ça devant moi, j'en ai des frissons. C'est le fruit de mon imagination. Je vais m'abstenir de boire ça. Cette fois, comme récompense, j'ai préparé quelque chose pour tes amis. J'aime bien porter ce type de vêtements aussi parfois. Je crois que ça m'irait mieux qu'à mon maître. Qu'en penses-tu? Vu que ça doit être le maillot de bain, je pense que oui. Ah non, tenue d'été Junpei. D'accord, c'est juste une tenue d'été. Ok, pardon. T'as une nouvelle quête pour moi au cas où? Non, pas l'air. Ah si. Je veux une tuile magnifique. Une tuile? Ah, ça doit pas être une tuile de...
Attendez, ça doit pas être une tuile de maison, ça doit être une tuile de jeu, là. Vous savez, les fameuses tuiles de Mahjong. En fait, c'est ça, les pièces dont on se sert pour jouer au Mahjong, ça s'appelle des tuiles, il me semble. Donc ça doit être ça, à mon avis. Dans ton monde, il existe des petites tuiles ornées de paons. J'aimerais... c'est ça, ouais, c'est ça, c'est des tuiles de Mahjong. Alors par contre, la tuile de Mahjong, j'avoue que je ne sais pas où on la trouve. Alors pas du tout. Il nous faut le courage au maximum. Ok. Techniquement, je dois pouvoir aller la récupérer maintenant en plus. Attendez, avant toute chose, je vais quand même récupérer le personnage que je suis venu chercher, à savoir un papesse. Donc, Ganga. Hop. Alors, tac. Core Island. C'est encore là. Bah, voilà, salon de Mahjong. Voilà. L'air est enfumé et l'ambiance est tendue. Allez-vous trouver le courage d'entrer? Oui! Deux hommes s'en vont. J'ai tout perdu, mec. Allez, tout porte. Allez, toi, porte-moi chance. Non, ne dis rien, prépare-toi. Pierre, feuille, ciseaux! Ciseaux! Quoi? J'ai perdu! Enfin, ça a dû tourner. Merci. Grâce à toi, j'ai compris que les jeux d'argent étaient une cause perdue. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Voici un petit quelque chose pour te remercier. En tout cas, tu ne devrais pas traîner dans un endroit comme ça. Bah, t'en file. Voilà. On a donné la tuile de Mahjong. Bah, écoutez, on va retourner voir Théo. Il a envie de me donner des fringues, donc. Enfin, des tenues, donc. On en profite, hein. Ah, ce que tu transportes, c'est bien ce que je voulais. Ça s'appelle une tuile de Mahjong et c'est fait pour jouer? Bien sûr, je le savais. Pour jouer, il faut les aligner avant de les renverser, c'est ça? Je ferai bien attention quand j'y jouerai. Merci beaucoup. Tes amis ont sans doute déjà croisé la récompense pour cette quête. Essaie de t'en servir. Tenue d'été à Kiko, ok. Encore? Non. Ok, donc pour l'instant, on est tranquille avec les... Pour l'instant, on est tranquille avec les quêtes. Ok. Alors. Hop. Ah, merde! Attendez. Hop. Je suis trop loin. Voilà. Alors. Tac. Non! On dirait un onigiri parfumé. Il sent bon, vous avez décidé de le manger. Il est comestible. L'association des ingrédients et des saveurs est elle aussi réussie. En fait, il est délicieux. Alors, c'est bon? Ouais? Merci. C'est marrant, mais... C'est la réponse qu'il faut donner. Plutôt que de dire que c'est délicieux, il faut dire qu'elle a fait de son mieux. Je pensais que c'était impossible de rater un onigiri, alors j'ai fait beaucoup de recherches. Plus je regardais quel sel ou quelle algue utiliser, plus je m'y intéressais. J'étais super enthousiaste en faisant mes recherches et en les regardant. Le plus important, c'est de vouloir réussir son plat pour que les autres puissent le déguster. Grâce à ça, j'ai réussi mon onigiri. Tu crois qu'ils veulent dire ça par cuisiner et demander de l'amour? Je suis si heureuse que tu aies aimé Minako. D'accord. Oui, c'est étonnant que la meilleure réponse est « tu fais mieux et pas c'est délicieux ». Me demandez pas pourquoi. La prochaine fois, je vous préparerai un autre plat encore meilleur. Je ferai de mon mieux. Ok.
Votre téléphone sonne. Bonjour, c'est Théodore. Je ressens un immense pouvoir dans les profondeurs de Tartarus. Visiblement, un chemin qui était jusqu'à présent bloqué est désormais accessible. Fais attention à toi. Passe une bonne journée. L'appel a pris fin. D'accord. Bon retour. Je vais laisser Yoris s'occuper de cette fille pour le moment. Ce n'est pas le moment de la bombarder de questions. En plus, il nous reste 3 ombres à affronter. On devrait pouvoir s'en occuper dans les prochains mois, et pas moins. Sauf si la situation évolue. Ne baisse pas ta garde avant que ce soit terminé. Ok. Il y a un problème, Minako ? Ok, bah dans ce cas, allons-y. Ken engloutit son assiette de poulet frit. J'y pense depuis quelque temps, je trouve que le riz est toujours un peu sec ici. Est-ce que c'est parce qu'on vient toujours très tard ? S'il prépare le riz vers midi, alors on ne peut pas y faire grand chose. Oh, ça ira. Enfin, je veux dire, je suis un peu timide. C'est vrai, tu devrais sortir t'amuser avec tes amis au lieu de passer du temps avec moi. Ça me ferait plaisir qu'on vive ensemble de temps en temps, c'est tout. Qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'on met pour donner du goût au riz. Eh, c'est ça. C'est vraiment marrant que le miel donne meilleur goût au riz. Non, perso, je mets pas du miel dans du riz, moi, perso. Tu savais qu'on dit que l'amour relève le goût de la nourriture ? Ça veut dire qu'une préparation soignée donne un bien meilleur résultat. Et que rester fidèle aux bases est plus important. Oh non, ça vient d'un manga. Tu ne lis pas de manga, hein ? Bah si. Ah, c'est vrai ? Mais tu es une adulte. Et une fille en plus. Non mais oh ! Je ne pensais pas ça de toi, Minako. C'est que je te croyais super forte alors. J'en lis moi aussi. Il y a un manga super cool publié dans un magazine mensuel. Le personnage principal est un extraterrestre polymorphe qui combat les méchants. Il y a plein d'explosions et les combats sont très intenses. Genre, des montagnes explosent, les cartes changent. Et il y a un village qui a été inondé à cause d'un barrage qui a sauté. Alors par contre, si ce manga vous dit quelque chose, je vous invite à me le dire parce que moi je vois pas. Hein. Et quand l'eau s'est retirée, il y avait un survivant, mais l'histoire s'est finie avant qu'on sache si c'était un méchant. Et le héros est vraiment cool et fort, il peut vaincre ses adversaires d'un seul coup. Bah vas-y, continue. Je devrais pas lire ces trucs, hein. C'est bête. Merci pour le repas. Merci beaucoup d'être venu ici avec moi ce soir. Minako, pourquoi tu... Non, rien. Bon. Bon. Attendez. Ah, purée. Salut. Minako, je me demande pourquoi Shinichiro est revenu soudainement. Bonne question. Il fait un peu peur, à mon avis. Mais j'ai pas l'impression qu'il est de retour au SEES juste pour se battre. En effet. Ah, matin. Bonjour à tous. Bagai Laka Bachababe. Meilleur professeur du lycée. Vous êtes prêts? On commence. Nous allons parler de la magie à la Renaissance. La Renaissance est une époque de richesse artistique et scientifique incroyable. Cela a eu évidemment une influence majeure sur la magie. Il serait plus juste de dire que ce sont deux domaines qui se sont mutuellement enrichis. Concernant l'influence de la Renaissance sur la magie. Les magiciens de l'époque ont dû se cacher de l'église. Grâce à l'étude de certains écrits interdits, le savoir magique a été largement transmis. La Renaissance est aussi une période de renouveau pour de nombreux textes grecs et romains. Certains textes magiques ont été retraduits et de nouveau étudiés. La philosophie, l'histoire naturelle, l'alchimie, l'astrologie. Le corpus Hermeticum abordait un grand nombre de sujets et faisait office de milieu magique.
Si la science et l'astronomie ont fait des progrès avec le temps, c'est le cas de l'art et de la magie aussi. Nous en avons plusieurs exemples avec l'émergence de grands magiciens lors de la Renaissance. John Dee était un professeur prodiguant des conseils à la reine d'Angleterre, mais grâce à ses connaissances magiques, il pouvait parler aux anges. Il y a eu O.N.M., un docteur qui a beaucoup voyagé en Europe. Il est devenu renommé sous le nom de Paracelsus, médecin et alchimiste. Évidemment, la vie d'un magicien n'est pas facile. Ces deux hommes ont été persécutés pendant de longues années. Vous m'écoutez, vous avez l'air d'avoir été dans les nuages. Voici un petit test pour m'assurer que vous écoutiez. Trompez-vous et votre maison sera hantée par un démon. Bagaï, Laga, Bachabé. Quelle sera ma victime? Minako, je te choisis! Je ne suis pas un Pokémon! Quel a permis le développement de la magie pendant la Renaissance? Ah bah c'est le Corpus Emerticum. Correct, pas de malédiction aujourd'hui. La magie avait alors une grande influence sur la société. De nombreux magiciens ont participé à la révolution religieuse, événement essentiel à la Renaissance. Ça on passe. Alors... on va aller voir notre copain Dandy. Dandy! Minako, je t'attendais. Ouais. Si je fais de mon mieux, ce kimono sera magnifique. Vise un peu la transformation de ce tissu bon marché. Sans toi, j'aurais vraiment déjà été obligée de rentrer. Grâce à toi, j'ai pu finir ce kimono, Minako. Oh. Parle-moi de la France. Plus rien ne m'attend dans mon pays. Je dois mettre fin à tout ça pour pouvoir mourir ici dans le pays que j'aime. Au fait, Minako, j'ai rencontré de nombreuses personnes au Nihon. Mais toi, tu es la meilleure amie que je me suis faite ici. Si ma tante était encore en vie, je lui parlerais de ma merveilleuse amie, Subarashi. Je suis sûre que ma tante t'aurait apprécié. Oh. Il est trop chou! J'adore Dandy, il est trop chou. J'ai l'impression que de voir le fantôme de ma tante tellement je suis épuisée. On arrive au bout, je peux pas abandonner. Allez, c'est parti! Ok, je me suis payé une écharpe. C'est déjà mais magnifique, Minako. Subarashi, j'arrive même à sentir ta passion qui en émane. Tu vas l'offrir à quelqu'un? Urayamashi, j'ai envie le garçon à qui tu l'offriras. C'est le plus beau des cadeaux. Urayamashi, je reviendrai, c'est promis. Je te le promets. Alors... Oh oui. Ah ouais, oh oui. Ah, il est là. Minako, ça va? Ça me dérange pas. Oh. Mais pourquoi j'ai toujours droit à cette musique de drague? On n'est pas en couple, enfin pas encore. Rue commerçante d'Iwatodai, restaurant Wakatsu. Shinichiro vous a demandé de venir ici. Je pensais à ça la dernière fois qu'on a mangé ici. Les autres doivent se faire à manger, hein. Est-ce qu'ils vont bien? Comment ça? Le corps est notre principal outil. Mais ils mangent que des nouilles à cette année, ce genre de choses. La persona est censée être la force du cœur. Je suppose qu'ils devraient manger ce qui leur fait plaisir, mais... Oh... Sois pas bête. Il est trop chou! Encore un qui est trop chou! Si tu les vois, dis-leur. Dis-leur de manger mieux. Ils m'écouteront pas, moi. Surtout à qui. Oh, Shinji! J'adore ce personnage! Tu veux manger tes légumes, hein? Et en plus, il surveille que je mange mes légumes! Ah là là! Ah, il est grave. Ah! Théodore, qu'est-ce qui se passe, Théodore? Un humain est arrivé dans Tartarus. Je suggère que tu mènes vite ton opération de secours. Surtout que cet humain est l'une de tes connaissances. Hein? Comment ça, c'est une de mes connaissances? Comment ça, c'est une de mes connaissances?
chapitre suivant évoque les problèmes de Shogunat Kamagura. L'ère Kamagura est sympa, mais pas autant que l'ère Sengoku. Ben ça, on le saura à force. Bon, on a assez parlé de ça. Je peux passer à l'ère Sengoku, hein? Très bien, penchons-nous sur l'ère Sengoku depuis ses débuts. Comme vous le savez, il est admis que la guerre d'Onin de 1467 a été une des causes principales de l'ère Sengoku. Après ça, l'autre grand événement à l'origine de l'ère Sengoku a été le coup d'état de Meiyo en 1493. Attardons-nous un peu plus sur la guerre d'Onin en 1467. D'accord, bah oui. Ça y est, maintenant qu'on est arrivé à l'ère Sengoku, il va enfin donner cours correctement. Waouh, il est déjà l'heure, c'est passé tellement vite. Nous ne sommes qu'en 1467, mais il reste encore tant de choses à évoquer. Ah, il va falloir faire avec. La prochaine fois, on passera en 1468. Je crois que ma connaissance n'allait pas au max, justement. Ah, encore. Entre-temps, chambre de Shidori, Tatsumi et Moriel Hospital. Les autres ne viendront pas aujourd'hui. Mais ils disent qu'on ne peut pas te rendre ton évoqueur. Je m'attendais. C'est pour ça qu'ils ont commencé à me surveiller au départ. Ça va, ta coupure? C'est sûrement des aguerris. Hein. Alors, pourquoi tu ne dessines pas aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. Tes fleurs ont fané sous ta chaleur. J'ai une idée. Et si j'allais t'en acheter d'autres? C'est quoi tes préférés? Shidori, qu'est-ce qu'il y a? Shidori a pris les fleurs fanées et se concentre. Les fleurs. Les fleurs fanées dans la main de Shidori ont fleuri à nouveau. Oh mon dieu, c'est Iti! C'est des fleurs coupées, hein? Comment t'as fait? Je leur ai redonné leur santé. J'ignorais que tes pouvoirs de guérison allaient jusque-là. On dirait un miracle. C'est pas grand-chose. Toi aussi, tu as des pouvoirs. Bah ouais, on peut dire ça. C'est bien la seule chose que j'ai. Sans ça, je serais personne. Je me la joue, je fais semblant d'être un héros. Mais en réalité, je ne sais même pas pourquoi je me bats. Et pourquoi je suis là. Pourquoi? Pourquoi on est là? Quand j'étais petit, j'avais ce rêve. Quel genre de rêve? Qu'une fois grand, je serai joueur de baseball professionnel. C'est bête, hein? J'imagine que ça doit être un... J'imagine que c'est ça d'être un enfant. Tu crois? J'ai peu de souvenirs de mon enfance. Je me souviens seulement d'être entourée de blancs. Hmm? Je hais les hôpitaux. Ouais, moi aussi. Je suis désolée. Mais ça ne me dérange pas cette fois. Comme tu me rends souvent visite. Shidori, je comprends. Je te laisserai pas tomber. Oh, c'est mignon. On va aller voir. Toi! C'est Kyogen, salle d'aménager. Aujourd'hui, je voulais préparer de nouveau des onigiri. C'est le seul plat que j'ai réussi, alors je veux le maîtriser à la perfection. Qu'est-ce que tu as réparé, Minako? Des truffes! Fuka se tient à un bureau éloigné mais ne fait rien. Ce riz est trempé! Le cuiseur de riz de Fuka est rempli à ras-bord de riz. Mais le riz ressemble plus à de la bouillie. J'ai mis trop d'eau? Je viens d'essayer de faire du riz mais j'ai raté la cuisson. Quel gâchis! Je suis bonne à rien. C'est faux. Mais merci. Qu'est-ce que je fais de tout ce riz? Ce serait dommage de le jeter. Ben, on va faire du riz au lait. C'est vrai? Je ne suis pas obligée de préparer de onigiri. J'y ai pas pensé. Tu as raison. J'ai des prunes séchées. Voilà ta part, Minako. Merci pour le repas. Ce riz au lait est délicieux. Merci, Minako. Oh. J'ignorais que la quantité d'eau utilisée changerait tout. Je vais me le noter quelque part. Voyons, faire attention à la quantité d'eau utilisée pour cuire le riz. Ok. C'est pas grave. J'ai encore du temps. Bon. Tu sens cette odeur? Vous sentez bien une odeur nocive.
Ça sent le brûlé et l'odeur vous pique les narines. Ça vient derrière le comptoir. C'est quoi cette odeur, Fuka? Hein, une odeur? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de préparer un bœuf stroganoff. Elle sait à peine faire des pâtisseries, elle veut faire un bœuf stroganoff? Stroganoff. T'as mis du roux? Ah non, je l'ai fait moi-même avec de la farine. Ne viens pas faire la fière alors que c'est brûlé. Il manque des mots qui traînent dans vos phrases. Tu as raison, ça l'est. Qu'est-ce que je dois faire? Il te reste des ingrédients? Oui, j'ai tout acheté en double. Je m'en charge. Observe et apprends. Risotto, ça te va? Ça, pour le dîner? J'en serais ravie. M'emballe pas trop. Coucou Stan. Je suis désolée, Minako. Tu allais sortir avec Shinichiro, non? Allez, c'est parti. Oui, vas-y. Vous avez décidé de regarder Shinichiro et Fuka préparer le dîner. Mais tu sais quelle huile? Aucune, je pensais que ce serait plus détoxifiant. T'as mis beaucoup de vin rouge? J'en ai versé jusqu'à ce que ça me semble suffisant. T'as versé longtemps alors? Deux ou trois secondes. La viande est bien grasse. Oui, j'ai demandé au boucher de me donner sa meilleure pièce. Ah, c'est un tel carnage, je sais même pas par où commencer. Hein? Te lance pas dans de grandes recettes tant que t'auras pas maîtrisé les bases de la cuisine. Sérieusement, ça te fait rien d'avoir commencé toute cette nourriture? Je suis désolée. Maintenant, écoute bien, prépare tout en amont. Coupe tout ce que tu dois couper et dose tes assaisonnements. Comme ça, tu seras tranquille pendant que ça cuit. Ok, je note. Shinichiro émince rapidement tous les ingrédients pendant que Fuka note tout. Tu dois faire cuire les oignons à feu doux. Ils auront meilleur goût s'ils sont bien dorés. Les oignons doivent... Pose ce carnet et regarde-moi faire! Pour la viande, quand tu la mets, Shinichiro s'exécute avec assurance et dextérité tout en montrant les bases à Fuka. Le plat est prêt. On le croirait tout droit sorti d'un livre de cuisine. Je rappelle quand même qu'il a, il a cuisiné avec de la viande brûlée. Hein. Ça a l'air tellement bon. Tais-toi et mange en s'enfroidissant. De rien. C'est délicieux. Le goût fait remonter des souvenirs. T'es incroyable, Shinichiro. Arrête, tout le monde peut faire ça. Non, pas tout le monde. Apprends-moi en plus, promets-le-moi. Vous avez tout mangé. Fuka insiste pour nettoyer, alors vous l'avez laissé faire. Apprends-moi autre chose. Elle m'a arraché une promesse sans me laisser le choix. Bon, je crois que je recuisinerai plus tard. Fais-en assez pour tout le monde. Tu veux dire faire un dîner pour tout le monde? Tu vas un peu loin, là. Mais t'as raison. Ce serait peut-être pas si mal de faire ça de temps en temps. Shinichiro ne s'est pas opposé longtemps à cette idée. Vous avez l'impression de découvrir une autre facette de Shinichiro. Même en prenant note, elle aurait du... Ouais, j'avoue que même en prenant note, elle aurait du mal. Aïe, aïe, aïe. Bon, on parlera de ça plus tard. Je vais aller voir où on est Fuka. Trop tard. Trop tard. Shinichiro et vous avez aidé Fuka à nettoyer avant de regarder votre chambre. Ah! Qui c'est qui est là? Même faire la vaisselle, elle sait pas! Même nettoyer, elle sait pas! Votre chambre. Vous sentez cette présence familière. Ah! Pharos, mon chouchou! Salut, ça faisait longtemps. Trois saisons ont passé depuis notre rencontre. Le temps file tellement vite, beaucoup de choses changent, mais d'autres restent les mêmes. Tu n'es pas d'accord? Si tu le dis, tu dois avoir raison. Te parler a remué des souvenirs. Cette tour, par exemple. J'y pense beaucoup depuis quelques temps. Je me demande, notre relation restera-t-elle la même? Ou si elle va évoluer? Peu importe, ce que l'avenir nous réserve, on sera amis. C'est certain. Je reviendrai, bonne nuit, très chère. Ok.
Il n'y a pas école aujourd'hui. En effet. Ah. Kizizi. Pour un téléphone sonne. Bonjour, c'est Fouca. Tu as une seconde? Je suis... je suis pas là. Est-ce que j'ai pas raté une quête, moi? Non, c'est le 17, je pense. Attendez, je vérifie. Ouais, ça, c'est le 17. J'ai pas su ce que c'était. Ah, c'est la lance, ok. C'est une lance pour Ken. J'ai encore l'impression que quelqu'un me suit. Il y a quelqu'un là-bas et j'ai l'impression de le connaître. J'ai raté ma chance de lui parler. J'ai l'impression que je passe mon temps là-dessus en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas les deux lycéens. Rappelez-vous, au début du jeu, en fait, à la base, c'était la fille qui suivait le mec. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est le mec qui suit la fille. Oh oh. Oh, Akinari sont le malade. Désolée, si ça te dérange, pas, peux-tu rester avec moi tant que je récupère? Merci. Je me suis plongée dans mon livre la nuit dernière et je n'ai pas dormi. Je pensais que ça irait vu qu'il m'arrive souvent de ne pas dormir à cause de ma maladie, mais je suppose que mon état ne risque pas de s'améliorer si je continue comme ça. Je suppose que je devrais m'excuser. Ça faisait longtemps que l'on ne m'avait pas grondé. Je suis venue jusqu'ici parce que j'espérais t'y trouver. Tu te rappelles mon goût pour les histoires optimistes? Il en existe des tonnes, mais je ne pense pas que les lire m'aidera à me sentir mieux. Le problème, toutes ces histoires ont été écrites par quelqu'un d'autre. Cela peut sembler égoïste, je suppose. Je suis égoïste avec toi aussi. Tu passes tellement de temps à venir me voir, et j'espère que je ne t'accapare pas trop d'ailleurs. Je ne mérite pas ces attentions, tu me gâtes trop. Mais c'est agréable, je dois avouer. Oh non! Il va me faire pleurer, lui! Il va me faire pleurer s'il continue, lui! Désolée, il semblerait que je t'ai trop parlé aujourd'hui. J'aimerais pouvoir te reparler ici un autre jour. Bah, dimanche prochain. Où est-ce que t'étais? Mais arrête de me fliquer, toi! La tour. Alors, j'ai de l'avance sur la... J'ai de l'avance sur la tour, donc on va pas aller le voir. Et... qu'est-ce qu'on peut faire, alors? On va étudier. Parce qu'en fait, j'ai encore mon... J'ai encore techniquement ma connaissance qui n'est pas au max. Donc je vais aller dans ma chambre pour étudier. Parce que la tour, j'ai de l'avance. Je vous pose une conversation. Est-ce que ta classe va faire... qu'est-ce que ta classe va faire pour le festival culturel? Une maison hantée. À tous les coups, je serai un fantôme. Bah, il y a pire. T'as juste à mettre ton costume et c'est bon. Moi, je dois faire un spectacle de magie. Au fait, t'es au courant qu'on va se taper un typhon? Et un gros en plus, il n'y aura personne au lycée. Oh, typhon! Nous allons parler de la fission nucléaire aujourd'hui. Imaginez une réaction nucléaire lors de laquelle un noyau libère de l'énergie et se scinde en plusieurs petits noyaux. Je ne vous apprends rien, je présume. Cette réaction crée une énorme quantité d'énergie, ce qui explique pourquoi les centrales nucléaires s'en servent. Vous savez sûrement que le Japon a 3 interdictions nucléaires en vigueur. Voyons, Minako. Qu'est-ce qui n'est pas interdit au Japon concernant les armes nucléaires? En laisser d'autres en produire. Tout à fait. Nous interdisons la possession, la production et l'entrée d'armes nucléaires au Japon. La troisième interdiction est un peu controversée, mais c'est un cours de physique, pas de politique. Pour en revenir à la fission nucléaire... ça en passe. Lien social. Ok.
Je crois qu'il est en bas, lui. Ouais. Attendez, j'ai pas Nekoshogun. Ah merde. Ah, je croyais que j'avais Nekoshogun. Attendez. J'ai dû le fusionner, Nekoshogun. Il est bien de l'étoile, hein, parce que je l'ai fusionné, mais je sais même plus pour le coup. Ouais. J'ai eu un double pour le coup. Ok. Il y a du monde dans le restaurant. Minako, il y a une table de libre là-bas. C'est bondé, il y a une promotion ou quoi? Ça rappelle que l'autre jour, Mitsuru... Non, je veux un milkshake! Un petit garçon assis avec sa famille à la table d'à côté se met à crier. Tu as dit que tu voulais un jus, tu ne peux pas avoir les deux. La mère crie de plus en plus sur son fils, à tel point que vous avez mal aux oreilles. Que voulez-vous faire? Moins fort, s'il vous plaît! Pardon, je suis désolée. Tu vois, cette jeune demoiselle est en colère car tu as été un vilain garçon. Je suis vraiment, vraiment désolée. Non, ne vous en faites pas. Akihiko est surpris. Akihiko ne semble pas dérangée par ce brouhaha. La famille à la table d'à côté est gênée et commence à s'en aller. Les cris de l'enfant se font de plus en plus lointains. Il était plein d'énergie. Akihiko les regarde partir d'un air distrait. Vraiment? Un parent qui gronde son enfant, c'est aussi un signe d'affection. Akihiko ne dit plus rien. Minako, est-ce que tu me trouves bizarre? Merde, je crois que j'ai fait une connerie. Putain. J'ai fait une connerie avec mes réponses. J'ai mélangé toutes mes réponses, moi. C'est pas ce que je t'ai demandé. Akihiko rougit. Parfois, on me dit que je suis bizarre ou que j'ai un comportement étrange. En général, ça ne m'atteint pas. Mais avant, les gens disaient que c'était parce que j'avais pas de parents. C'est pas comme si j'y pouvais grand-chose. C'est pour ça que je voulais leur montrer qu'ils avaient tort. Ça n'a plus d'importance. Ça s'est passé quand j'étais enfant, de toute façon. Et puis, c'était pas si mal à l'orphelinat. Akihiko sourit doucement. Désolée, je crois que je te l'avais déjà dit. Je n'ai pas de parents. On a grandi dans un orphelinat, ma sœur et moi. Ma sœur n'est plus là non plus. Et tu n'as pas de parents, toi non plus. Désolée, j'aurais pas dû aborder ce sujet. Enfin, si, je pense que c'est pour ça que je voulais t'en parler. Parce que je pense que tu peux me comprendre. D'accord. Bon, je risque d'avoir du retard avec Akihiko aussi parce que j'ai mélangé toutes mes réponses. Ah, décidément, je fais n'importe quoi. Au besoin, je corrigerai ça en off, tant pis. Désolée d'avoir parlé de ce genre de choses. On devrait rentrer. Vous êtes rentré au dortoir avec Akihiko. Ok. Ça roule? Oui, ça roule.
J'aimerais aller quelque part aujourd'hui, tu m'accompagnes? Oui, où ça? Avec plaisir. Super, on goûte. Centre commercial Café Chagall. C'est vraiment là que Shinjiro voulait aller? Qu'est-ce que tu veux? Du thé. C'est bien une boisson de fille, le thé. Ben, excuse-moi, je suis une fille, hein. J'aime pas le thé, en plus. Shinjiro a commandé pour vous. Oh. T'as un premier froid? Non, c'est pas contagieux, hein, t'inquiète pas. Ça m'arrive parfois. C'est pour ça que je viens pas souvent dans ce genre d'endroit. Ah, c'est le parfum! C'est le café qui te fait tousser? Pas du tout. Je me sentirais mal pour les employés si je voyais quelqu'un tousser tout le temps ici. Je suis venue acheter quelque chose. Du café moulu, il faut pas que j'oublie d'en acheter avant de partir. S'il en reste. Je vais l'utiliser pour cuisiner. Oh! Hey, c'était ton idée que je m'occupe des autres au dortoir. Non, ça ira. Le rend pas mal. C'est pas que j'ai pas confiance en tant que cuisinière. C'est juste que, comment dire, si tu aides, tu pourras pas en profiter. Oh, il est trop chou! On s'y mettra quand j'aurai décidé quoi cuisiner. Même si c'est pas bon, tu devras assumer et dire à tout le monde que c'est délicieux. Ah, il est trop chou! Il est trop chou, Shinji! On devrait rentrer, non? Ils vont s'inquiéter si on rentre tard. Vous êtes rentré au dortoir avec Shinjiro. Ok. Hey Minako, plus que 3, hein? Et la prochaine ne surgira que dans 3 semaines. Bon sang, pourquoi elle n'arrive pas toute d'un coup? Ce serait pas trop dur? C'est vrai. Vu notre nombre actuel, on devrait les vaincre plus facilement. Vivement la prochaine pleine lune. Ok, midi, donc ça on passe. Alors, on va aller voir Yukari, mais je n'ai pas de personnage des amants, je crois. Non, je n'en ai pas. Donc il me faut un personnage des amoureux. Ouais! Ça commence à devenir chiant, hein. Centre commercial. Oui, je sais que tu détectes quelqu'un. Ok. Ok. Alors. Je vais juste vérifier un truc parce que je me demande si je suis pas en retard avec son lien elle aussi. Ah si, je suis très en retard sur le lien du Yukari en fait. Je suis très en retard sur le lien du Yukari. Alors attendez, parce que pour le coup. Je suis très en retard sur le lien du Yukari.
Tu te souviens quand cette type a volé mon portefeuille et que tu es venu m'aider? J'ai laissé échapper ces paroles qui n'avaient aucun sens. J'étais vraiment en colère contre moi-même. Tu étais fâchée après moi à cause de ça? Non. Vraiment, ça me rassure. J'ignore pourquoi je laisse toujours échapper ce que je pense quand tu es là. Je me demande bien pourquoi. Parce qu'on est amis. Je vois, je comprends maintenant. C'est donc ça, avoir des amis. Une partie de moi n'est pas vraiment du genre sentimental. Je me considère différente des autres, à vrai dire, je me souciais de personne. Je n'avais pas non plus envie d'avoir des amis. Mais avec toi, c'est différent. J'ai hâte qu'on soit amis. Mais on est amis. Au fond de moi, je voulais qu'on comprenne ce que je vivais. Je voulais un peu de compassion, qu'on me dise « Oh ma pauvre, tu fais ton mieux ». Pour une fois, je veux qu'on prenne soin de moi. Mais je ne laisserai pas n'importe qui le faire. Seule une personne que j'apprécie en a le droit. Ok. D'accord. C'est bien, Yukari, c'est bien. Donc. Oh, je n'avais pas l'intention de te sortir ce truc gênant. Oh, ouais, qu'en plus. Mange tes frites, on s'en va. Nous allons manger des anmitsu avant de rentrer. Vous avez mangé un anmitsu à la confiserie avec Yukari avant de retourner au dortoir. Ok. Shidori a l'air de commencer à s'ouvrir. En revanche, elle a toujours un peu de mal à parler des personnes à elle. Il lui faudra un peu de temps. Tant pis. On a encore 3 ombres à vaincre, je vais me concentrer sur ça. Je vais leur faire regretter de s'en être pris à notre monde. D'accord. Attendez. Toc. Je vais regarder un truc. Qu'est-ce qu'il y a ici aujourd'hui? Non, ok. On va retourner au dortoir. Et on va aller dans notre chambre pour étudier. J'ai pas conscience qu'ils montent toujours pas au passage. Hé, hey, t'es au courant? Yukari va s'habiller en soubrette pour le café durant le festival culturel. Sérieux, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tiré la courte paille au club de tir à l'arc. Elle doit être vénère, mais raison de plus pour aller jeter un coup d'œil au café. D'accord. Pas de peau. Alors attendez, je vais juste regarder un truc. Ok. Alors attendez, ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai toujours. J'ai toujours des Gimitama. Ok. Minako, je t'attendais. Allons à la salle des arts ménagers. Ok. La machine à coudre de Dandy ronronne agréablement. Passer un agréable moment avec Dandy. Et voilà le travail. J'ai terminé. Dandy semble avoir terminé le kimono. Tu as réussi. Regarde, je m'en suis super bien sortie. Dandy semble satisfait. Quand mon oncle verra ce kimono, il me laissera sûrement revenir au Nihon. Il n'aura pas le choix. Je vais me dépêcher d'aller le voir. On va devoir se dire au revoir, sayonara. Mais je reviendrai. Je ne céderai pas à mon oncle. Minako, prends ça s'il te plaît. Je l'ai fabriqué avec le reste du tissu. C'est un signe de notre amitié. Onegai Shemasu, s'il te plaît. Attends mon retour, Minako. Mes meilleurs moments au Nihon. Je les ai passés à tes côtés. Oh, moi je t'attendrai. Merci, tu es si... Oh. Oh, mon chouchou! C'est mon chouchou! Et voilà. Ah, mon chouchou! Hurlugur! Par contre, je pense qu'on va s'arrêter là. Et j'ai besoin de m'arrêter là. Kanashi, ça me rend triste, mais... Demain, je dois partir. Minako, matane.
Vous avez promis de revoir Dandy. Vous avez essayé de rentrer au dortoir. Ok. Bon, écoutez, il reste plus que 2 semaines avant la pleine lune et les égarés augmentent déjà en nombre. On doit arrêter les ombres quoi qu'il en coûte. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce stream. On n'est pas encore à Tartarus, si on n'est pas encore à la pleine lune, mais on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir été là, c'était super. Et la prochaine fois, on continuera, tout simplement. Je regarderai quand même pour refaire quelques-uns de mes liens sociaux, parce que j'ai fait quelques trucs. Donc pour YouTube, il y aura sûrement du montage pour vous montrer les changements. Donc YouTube, vous verrez des choses différentes que Twitch n'aura pas vu. Mais voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, à ce soir.